nous sommes dans l'exposition consacrée à Milo Manara, donc, qui célèbre les 50 ans de carrière de cet artiste italien, qui est l'un des plus grands dessinateurs de bande dessinée aujourd'hui vivant. Et donc cette exposition revient à travers 6 chapitres sur la carrière de Milo Manara, depuis ses débuts dans l'Italie de la fin des années 60, début des années 70, jusqu'à ses œuvres les plus récentes, et notamment sa biographie du Caravage. L'exposition met particulièrement l'accent sur ses collaborations avec deux des plus grands artistes du XXe siècle, qui sont Hugo Pratt et Federico Fellini, puisque Milo Manara a eu la chance de collaborer avec ces deux artistes. Au sein de l'exposition, on trouve bien sûr énormément d'originaux, et notamment des inédits qui n'avaient jamais été montrés auparavant dans une exposition, notamment des planches du début. On va trouver également énormément d'esquisses et de travaux préparatoires, en particulier en ce qui concerne les œuvres que Milo Manara a signées avec Federico Fellini. On trouve notamment des originaux de Federico Fellini, là aussi, qui sont tout à fait inédits, qui n'avaient jamais été montrés en France jusqu'à aujourd'hui. Et également un certain nombre d'objets qui appartiennent ou qui ont appartenu à Milo Manara ou à ses proches.